Putain, j'ai le seum, je voulais aller chez le coiffeur ce matin, mais vas-y, mon coiffeur, il était pas là. Lui aussi, il prend des congés comme ça, il prévient, hop, les gens. Mais c'est quoi, ça? J'aime trop rapprocher mon visage comme ça, c'est gênant. En plus, c'est pas comme si j'avais le visage fin. Ouais, je suis bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve today pour new video. Ça y est, je suis américain. Alors, pour le coup, ça va être une vidéo sur un sujet très banal auquel j'ai même pas pensé. Ma vie, tout simplement. Non, mais c'est vrai, il y a des trucs à raconter. Genre, comment on se comporte chez moi, comment on vit, tu sais, il y a plein de trucs à dire. Non, parce que c'est bien gentil de mettre sa famille dans les sketchs, faire des vidéos avec eux, etc. Mais je vous ai pas montré la vérité. Je vous ai pas oublié, les amis. Dédicace à Sarbé. Grosse force à Iba de Marseille. Et ouais, on est ensemble. Grosse dédicace à Wesley de l'île d'Abo, à Eva Truchy du 89. Et pour finir, à Nicolas Cour d'Auvergne. Merci, la famille. Ça, pour commencer, c'est en longueur de journée. Hein. Tu veux me tailler toute la journée? T'es là, t'es allongé comme un porc, tu regardes des clips. Arrête de parler avec moi, Marvin, imbécile, il sait rien faire. Il a arrêté le foot, il a tout arrêté. Toute la journée, il est là, il joue à Fortnite. Je joue que à Fortnite, et alors? On lui a supprimé la play pour qu'il arrête de jouer à Fortnite. Il joue sur téléphone. Choc. Tu poses un problème? Tes vieilles vidéos toutes pétées là, pas marrant. En tout cas, tu veux bien participer dans la vidéo? S'il te plaît, je peux tourner? Je veux tenter ta vidéo. T'as fond, mon frère. Il a cru que c'était TF. Tu te déguises en daron, et là, tu fais le mec, tu fais rabien. Je t'affiche. Ah, ouf, lui. Ah non, mais il est grave insolent. Quand je vous dis, il est insolent, non reconnaissant, insolent, tout ce que vous voulez. Là, il commence à tout déballer. Alors, ça, c'est sa spécialité. Je pense que tous les frères et sœurs vont se reconnaître. En tout cas, moi, je sais que je suis plus fort que toi en bagarre. Oui, bien sûr, oui. Je le sais. Oui. Je te mêle, tout de suite on sort, je te mêle. Ouais, j'ai pas le temps de jouer avec toi, voilà, chute. Ouais, si tu veux. Je suis plus fort que toi en tout cas. J'ai pas le temps de jouer. Je suis plus fort que toi. Allez hop. Allez, dégage. Voilà. Bah, t'es plus fort que moi, non? Alors? T'es plus fort? C'est qui pleure? Ah, il aime trop faire ça. Il me teste? Quand je le goum, il pleure. Wesh. Ouais, non, mais vous êtes d'accord avec moi, il cherche, il provoque. Là, ce que je vais vous montrer par contre, c'est un truc typique des derniers de la famille. Vous êtes trop dans ce délire, vous êtes trop dans cette worse. Toute la journée, il est sur la tablette, il fait même... Hé oh, quoi? Décroche, ça y est, tu poses un petit peu. Non, t'inquiète, c'est bon. Non, y'a pas de t'inquiète, tu poses, s'il te plaît. Il me fera bien ici. Tu poses la tablette. Mais pourquoi t'enlèves la tablette? Voilà. Crie pas comme ça, crie pas comme ça. Crie pas comme ça, tu me fous le seum, tu m'énerves. Pourquoi tu tapes comme ça? Pourquoi tu tapes? Je te tape. Pourquoi tu tapes? Bouffon. Je me fais harceler dans cette maison. Je me prête tous les jours. Tu pars, frère, t'es pourri gâté. Tu m'harcèles tous les jours. T'es pourri gâté. Les gens ils sont harcelés dans la rue. Lui il part d'harcèlement à la maison parce que j'ai enlevé la tablette. Définition du harcèlement. Le harcèlement est une forme de maltraitance. Elle peut être morale ou physique. Mais tu m'harcèles tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Tous les jours. Il a un iPhone 10 à 10 ans. Qui a ça? Qui a ça? À 7 ans il avait l'iPhone 7. Choc. Vas-y, je parle pas avec toi, vas-y dégage. Tu lui dis range ta tablette, il te dit je me fais harceler. Mais attends, on est où là? Moi j'avais même pas de tablette à ton âge. Alors ça la véridique. De toute façon si je vous filme le frigo, vous allez tout de suite comprendre. Ah non, quoique ma mère elle a fait les courses hier. C'est là. Hess non-stop chez WAM. Maman, mange quoi? Ah pardon, j'ai pas entendu. Maman, mange quoi? Mange des yaourts. Des yaourts? Oui, c'est bon, mange des yaourts. Ouais, c'est un truc de ouf. Je te jure, c'était la ferme ici. Genre, quand j'étais petit, j'ai rien à manger, moi. J'avais même pas quoi manger, même pas quoi boire. Ouais, nous tuons calcium. Le pire, c'est que c'est bio. Moi, j'en ai pas 50. Bah, tête de WAM. Bientôt, on va manger des yaourts. Ouais, cholestéral est pourri gâté, ça y est. Il a plus faim. Maman, du coup, on mange quoi? Il y a les yaourts dans le frigo. Vous les avez pas mangés. J'achète rien, je prépare rien. Tant vous avez pas fini les yaourts. Ah, vous avez pris l'habitude, là. Pour régâterie, là, j'ai un passe à moi. Ah, je déteste. On va dormir le ventre qui gargouille, frère. Tête de homme. Comme tous les jours. Yes. J'ai rien à foutre. Tu crois écrire hôtel Ibis ici? C'est pas 5 étoiles ici, hein? C'est pas à la carte. On a pas dit que c'était l'hôtel. Je sais pas, à un moment on était enfants. Faut s'occuper de nous un petit peu quand même. C'était mes enfants. Je sais pas des enfants, moi. Mes enfants. Non, j'ai pas d'enfants. Ça y est, je suis tout seul, célibataire. Ah, vas-y, moi je parle pas, vas-y. Je suis dépassé. Quelquefois on parle de choses plus personnelles. Oh, c'est quoi ça? Elle est mignonne, ça va. Mais vas-y toi. Et elle? Ouais ça va, ouais elle est fraîche elle. Ah elle est mignonne. Ouais, elle est fraîche elle. En plus j'ai son numéro. Attends, elle est quoi, belle. Quoi, elle est belle, elle est mignonne. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Elle s'appelle comment? Fatou. Elle habite où? Ouais c'était bizarre, toi. Pourquoi tu veux savoir où elle habite? Mais vas-y, juste comme ça. Elle habite là, dans la rue là, juste derrière. C'est à côté de la pharmacie. Ah ouais. T'es chelou toi. Excuse-moi. C'est toi Fatou? Ouais. En fait, je t'ai trouvé mignonne, t'es possible de prendre ton numéro? Pardon? T'as quel âge s'il te plaît? J'ai 10 ans. Tu vas aller remettre tes couches, tu fais ton pouce, tout ce qui pète et tu reviendras me parler. En plus, faut te la cradonner, va toucher. Oh là là, il fait de la dé, oh il fait de la dé. Alors lui, à 18 ans, il a des enfants, il sera marié, mon frère. Presque grand-père, gars. Ça, franchement, on l'a tous fait. Chez moi, en tout cas, dans ma famille, 4 frères, les 4, on a fait la même chose. Maman? Oui. J'ai un anniversaire samedi. Viens, on veut acheter un cadeau, s'il te plaît. Un bière. Un bière. Comment ça, j'achète un cadeau? Pourquoi? Il t'a acheté un cadeau à ton anniversaire? Mais c'est pour Lucas, c'est bon. Non, non, y'a pas de c'est bon. Casse-toi d'ici, s'il te plaît. J'achète pas de cadeau pour les gens que je connais pas. Je suis désolé. Dégage. Mais c'est bon, un cadeau, juste un cadeau. J'ai rien à foutre, dégage, je peux pas se voir. C'est bon, allez, allez. Tous. Malade, hein. Si,
Tu fais quoi là? Tu cherches quoi? Un livre pour Lucas, je dois lui offrir. Mais prends, maman, t'as pas acheté de cadeau pour Mais parce qu'elle veut pas. Ah ouais, merde. Purée. Nous aussi on devait offrir nos cadeaux avant. Y'a rien, même pas de papier cadeau. On doit faire ça avec des feuilles. Tu veux que je t'aide? Oh non, je veux pas que tu m'aides, non. T'as envie de m'aider, va m'acheter un cadeau. Ah non, c'est pas mon pote, hein. Il est là, il me regarde. C'est pas mon pote, hein, tu t'aimes. Oh, c'est bon, ta bouche. Oh. Bon anniversaire, tu peux dire. Ouais, ouais, vas-y, bonne nuit. Donc mes amis, si un jour vous avez reçu un cadeau, vous savez d'où il vient. Alors là par contre, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je fais toujours actuellement aujourd'hui. Toujours actuellement aujourd'hui, ça veut rien dire. Allez, vite, ça va, je vais faire comme ça. Moi je m'en tape. On m'en prend bien. Ah vas-y, prends. Ça sert à rien de commencer à dire on a volé, on a pas volé, le paquet est ouvert. Genre, personne ne fait ça quand tu vas à Carrefour. Non, vous êtes des mythos, c'est pas possible. Mais la personne qui ouvre le paquet quand même, elle est culottée. En tout cas, je la remercie. À chaque fois que j'ai pu prendre des bonbons à Carrefour gratos, c'était grâce à cette personne-là. Une question me tue Lupine. C'est du vol? Non, mais je sais pas, on sait jamais dans les commentaires, ils vont dire oh, t'as volé des bonbons, oh là. Est-ce que chez vous, votre mère, elle est maniaque, mais genre maniaque, genre un truc de ouf? Poussez-vous, j'arrive, je vais faire le ménage. Bordel, j'arrête pas. Toute la journée, j'arrête pas. Pousse-toi, monte, arrête de jouer au ballon. Arrête de jouer au ballon, monte sur le canapé. Arrête de jouer au ballon, je vais casser tes jambes. Mais maman, on est en train de regarder. Vas-y, je peux même regarder. Je te gifle, avec ça, tu vas voir c'est qui le maniaque. Comment ça, y'a pas de poussière? Là, y'a pas de poussière. J'en ai marre. Oh, c'est maniaque là! On dirait elle danse quand elle nettoie! Il est 20h, c'est bordel! Oh, on dirait j'ai pas fait le ménage toute la journée! C'est abusé là! T'en as pas marre! H24, 7 jours sur 7! Mais maman, il dort, qu'est-ce que tu fais? C'est bordel, je nettoie! Mais vas-y, mon frère, maniaque c'est là! Dors, je t'y suis aussi sinon! Fais yada! Dors! Mais ma mère, elle fait le ménage 30 fois par jour! Mais maniaque, mais j'ai jamais vu ça! Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, désolé, je suis éclaté, vous savez que je suis encore dans le décalage horaire, ça fait 2 semaines que je suis dans le décalage horaire, le mec qui revient des États-Unis, il veut pas s'y faire. Ça y est Fat, faut se réveiller. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo, est-ce que vous êtes reconnu dans certaines scènes, vous, vos frères et sœurs. Je sais, je fais beaucoup de vidéos sur les frères et sœurs, ça m'inspire. Ah oui, il y en a qui me demandent en fait dans les commentaires, c'est quoi ton Insta, c'est quoi ton Snap, en fait je mets tout dans la barre d'infos, donc vous avez tout dans la barre d'infos. Si vous voulez, je vous le mets là, juste là, vous m'ajoutez sur Instagram, fathd.el. Genre je poste des photos en vacances, je demande des avis, tout ça, donc ajoutez-moi sur Instagram. En plus on est bientôt 500 000, franchement si on est 500 000 sur Insta, merci beaucoup. Et mettez un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, et je vous aime, et merci, et à bientôt. Allez, ciao. Donc, fou ça, je vais te tarter. C'est Chico Jaune. Prends les gamins, ça taille. Comment, il a des... J'ai frosties. Non, les gamins, des frosties. Oh la D. La D.